Hey, hey, cucu mes petits culs et bienvenue pour ce nouvel épisode du Lord and Lady Challenge. On retrouve notre petite Lali qui dort sous la pluie, sur un banc. Bon, ça va, elle est pas très loin de la maison qui est juste là, hein. Vous inquiétez pas pour elle, ça va. Et le reste de la petite famille dort tranquillement dans son lit. Nous n'avons pas encore les moyens d'investir dans un lit pour la petite. Je vais de toute façon prendre un lit de place, comme ça me fera deux couchages tout de suite. Et moi, j'attends tout doucement que Radie accouche. Pour l'instant, ça clignote pas, donc ça, c'est pas encore tout de suite. Oh là 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 là, petite monstresse, tu vas réveiller personne! Tu veux du divertissement? Divertis-toi! T'es un petit jouet? Vas-y, fais-toi plaisir, ma cocotte. Il y a ton petit frère ou ta petite sœur qui va bientôt arriver. D'ailleurs, je me rends compte que la petite Frénégonde, elle a son hygiène qui est remontée au top, en fait. C'est marrant. Je me reloque dans la partie et ça va, tout va bien pour elle, quoi. Bah, tant mieux, hein. C'est un win pour Radegonde qui fait pipi dans le buisson sans se pisser dessus. C'est la grosse fin, ma cocotte. Tu vas me refaire des macaronis au fromage. Bah écoutez, je ne sais plus à quelle heure elle devait accoucher. Ce sera peut-être l'heure du midi au final. Je pensais que c'était le matin. Ouais, j'ai dû confondre. On se souvient que la semaine dernière, on a perdu Petroni qui est allé au ciel. Voilà, et bah vivement l'arrivée du bébé hein, pour que ça puisse la remettre dans le bon mood. Et la petite Frénégonde va devenir enfant dans un jour. Ah ouais, ça va vite, cette histoire, hein. Bon, Amédée est parti faire un petit footing parce que besoin de divertissement. Et bah écoutez, comme il est actif, ça lui remonte un petit peu, donc c'est pas mal. Oh non, Frénégonde, saleté de bestiole de mes fesses. Alors, oh là là, viens, va jouer et va jouer à l'intérieur aussi, nanarde. Radie, continue l'éducation de sa fille. Lui apprendre à dire s'il vous plaît merci, ça lui augmente les manières. Et c'est pas plus mal puisqu'il faut les valider. Et on est reparti avec Amédée qui nous refait des jardinières. Oui, bien sûr, vous l'avez deviné. Normalement, on devrait aussi atteindre pour lui le niveau 9. Qui dit le niveau 9, c'est également le niveau des baignoires. Et là, les baignoires, c'est le jackpot, les enfants. Bon, 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 la vessie qui descend à fond, les ballons, là. Ça devrait pas tarder, là, Radie. Bon, tu vas nettoyer ça. Mais je me suis trompée d'une journée ou quoi? Qu'est-ce là? Je pensais qu'elle allait coucher en début d'épisode et là on est limite à la fin de la journée déjà. Quand même. Bon, du coup, elle fait ses devoirs un petit peu. Ça lui remontera éventuellement ses responsabilités. Après, c'est pas encore très très grave pour l'instant. Les manières, par contre, augmentent de ouf. Hein, je sais pas. Oui! Le niveau 9 de la compétence bricolage. Amédée peut désormais effectuer des améliorations avancées sur les objets électroniques. Il peut aussi fabriquer des baignoires sur l'établi d'ébéniste. Bon, les baignoires, ça va pas être tout de suite parce que il faut de l'argent. Mais vous inquiétez pas, dimanche, quand on vendra hein, toutes nos jardinières qu'on aura fait, on aura de quoi avoir pour investir dans une baignoire. Bon, je dis pas que la première baignoire, on va peut-être pas la garder. Mais Radie, elle est partie se faire une petite sieste là. Bah le bébé il vient pas hein, Non mais je pense que je me suis trompée d'une journée. C'est toujours l'heure de faire des bêtises avec son enfant. Ah hein, oui, Amédée. Hein? Même si elle est fatiguée, la petite, lui, ça va lui remonter aussi le moral, la gamine aussi. Tout est bien qui est bien, quoi. Bah dis donc, la petite, elle peut chercher des jouets jetés dans la poubelle. Bon, bien sûr, si c'est un truc robot, tout ça, elle ne pourra pas jouer avec, hein, évidemment. Bon, elle se crasse un petit peu, c'est pas grave, hein, on est dans Lord and Lady. T'as trouvé quelque chose? Oh, rien d'intéressant, bah super. J'avoue, les amoureux, là, vous êtes quasiment pas vus de la journée. Allez, on va en profiter, hein, que les amoureux, vous allez faire un petit crac-crac, ça vous remontre un peu le moral, tout ça, avant que bébé 3 arrive. Et je pense même que cette petite histoire de crac-crac le fera arriver encore plus vite. Bah oui, hein, Amédée va ouvrir les voies, hein. Et ben voilà, le travail a commencé en plein milieu du crac-crac. Non mais c'est pas grave, ils vont dormir et puis elle se réveillera quand il faudra. Hein. Bon, 9, 8, 7, allez, tu vas te réveiller, tu vas venir là, voilà. Ah là 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 là, allez là, les services sociaux là. Ouais, bon c'est pas le berceau que je voulais, mais bon, vu que l'autre il a cramé, on peut pas mieux faire. Hein. Alors, qu'est-ce qui va sortir de ce petit corps de notre petite Radie, bébé numéro 3? Ça y est, c'est la révélation. Et c'est un garçon! Et bien voilà, les envies des pro-garçons seront contents. Et on l'appelle... Oui, allez, c'est pour faire plaisir.
Parce que ça me fait marrer, parce qu'après Frénégonde, c'est forcément Godefroy de Montmirail, hein? Bonsoir! C'est un génie! Et il est venu tout seul, le petit Godefroy! En tout cas, Godefroy Aubert, hein, et pas de Montmirail, mais Godefroy quand même! Eh ben non, même avec son nouveau-né dans les bras, Radhi, elle est quand même triste pour sa maman. Ben, elle pense, elle dit, oh, dire que ma maman, elle pourra même pas rencontrer son petit-fils. Ma pauvre Lali, je te promets que dans pas longtemps, on va régler cette situation, tu dormiras plus dehors. Ah, Godefroy s'est pissé dessus. Maman, tu peux du coup venir t'en occuper. Alors, j'en vais profiter que Godefroy pleure et, pour vous parler de Kit Tricot qui est arrivé donc il n'y a pas longtemps et comment on peut ou pas l'intégrer dans le Lord and Lady. Donc, pour les règles concernant le tricot, il est possible de tricoter, évidemment, ça ferait très RP. Par contre, je n'autorise que l'utilisation et non pas la vente des objets, évidemment, puisque les objets sont trop modernes. Pour le Lord and Lady, je n'autoriserai que les grenouillères pour bébé et uniquement pour bébé. Et ce, seulement dans les colorés gris pour les deux premières générations. Les couleurs pourront arriver à partir de bourgeois, tout simplement, puisque dans les premières générations, on n'a pas le droit de porter de couleurs vives. Et que dans le kit tricot, les grenouillères sont très vives et il y a une seule grenouillère grise qui reste donc autorisée. Donc, vous pouvez tricoter, mais ne jamais utiliser ou vendre vos productions. Vous tricotez, détricotez et retricotez, détricotez pour arriver au niveau 8 pour faire des grenouillères. Et rien de tel pour se remettre un peu en forme qu'un petit footing dans le quartier. Puis comme ça, au moins, elle sort un peu voir ce qui se passe, quoi. Hein. Voilà, on est aux abords de l'auberge et tout ça. Hein. Le quartier est sympathique. Hein. Et la place du village est ici. J'aime beaucoup. Même quand on pue, on doit s'occuper de nos enfants, Radhi, c'est comme ça. Puis après, bon, bah, tu te feras un brin de toilette et tu t'occuperas de la lessive parce qu'il y a un petit souci de la save. Et nous, bah, mon petit, tu vas nous refaire quelques jardinières, hein, parce que bon, on peut encore faire presque 10, et 10, ça fait 700 simflouz, et 700 simflouz, ça ferait presque 2 baignoires. Allez, ma Radhi, il est temps de faire la lessive dans la bassine, parce que là, il y a pas mal de merdier, hein. Avant que le petit se réveille et re-hurle, ça va pas tarder, je pense. J'ai toujours ce magnifique bug du sac qui va dans les fesses, mais c'est pas grave. Oh non, Ulali, non, 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 tu vas me nettoyer ça, là. Oh là là, j'ai pas le temps de t'engueuler. Papa, il va venir t'engueuler, attends. Tiens, j'avais pas vu, mais chez eux, il fait la canicule. Ben, un peu comme le jour où j'enregistre cet épisode, hein. Ouais. Voilà, c'est horrible. Et voilà une bonne chose de faite avec la lessive. J'ai vu que... Voilà. Oh bah! Mais c'est quoi tous ces gens qui viennent? Mais on a notre Cunégonde nationale qui est à la maison, qui a voulu passer. Oh, coucou ma sœurette! Oh, ma sœur! C'était qui déjà qui était née en premier? Je crois que c'était... Radgonde. Je sais plus. Ah ben, Godefroy s'est réveillé. Eh bien, ma Radhi, tu vas changer la couche et tout ce que tu peux faire. Tiens, tu vas aussi l'allaiter, tant qu'à faire. Allez, Amédée, on bosse. Comment ça, t'es en colère? Non, tu t'énerves pas. Tu restes de bonne humeur. Tu me fais des trucs super quali, là. On a besoin de pognon, mon coco. On a besoin de baignoire. On a besoin de lit. On a besoin de beaucoup de choses. Mais Cunégonde, je crois qu'elle a été fouillée dans la poubelle. Elle est dissimflouse, le truc, quand même, hein. Un bol de reste de flocons d'avoine. Mais t'es une grosse dégueulasse quand même, Cucu. Oh non, mais Eulalie, t'étais au courant que t'allais avoir un petit frère, une petite sœur. Pourquoi t'es triste? Mais c'est bien, tu pourras l'embêter, lui enseigner des trucs chiants et tout pour emmerder tes parents. Tati, j'en ai marre. Ma maman et mon papa, ils arrêtent pas de faire des gosses. Moi, je voulais être toute seule, bon sang. Hein, comment t'as fait pour supporter déjà ta sœur jumelle et puis les quatre autres, hein. Ça fait 4, 5, 6, oui, ça fait ça, c'est compté bon. Ah, quelqu'un frappe à la porte. Mais qui donc qui est à la porte? Eh ben personne. Ça va, il travaille bien. Il est juste un petit peu en colère, mais ça va, ça passe. Et en tout cas, il est fier, il est bricoleur, il a eu un enfant. Il est content. On va le remettre aussi là, et puis les derniers deniers vont être investis, hein, moi je vous le dis. Alors, comment ça se passe entre vous, les amours? Ah!
Ah, on a fini les macaronis. Ça va, il nous reste quelques simflouz. On pourra en refaire demain, mais... voilà quoi, hein. Il faut qu'on fasse des jardinières. Hein. 57 simflouz, bah, ça fait plusieurs jardinières. Quand même. Allez. Deux petites jardinières pour finir la journée. Demain est une nouvelle journée puisqu'on est dimanche. On pourra vendre nos productions et récupérer du pognon. La 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 la. Voilà, il nous reste 23 simflouz. Sachant que les macaronis au fromage en coûtent 18. C'est fini pour les jardinières pour aujourd'hui. Et au creux de la nuit, on a quand même la petite frénégonde qui clignote. Donc, voilà. Et oui, la dernière jardinière a été faite. Bravo, mon petit Amédée. Tu peux maintenant aller te coucher. Tu l'auras bien mérité. Et c'est l'automne. C'est une nouvelle et très bonne journée. Moi, je vous le dis, je la sens très bien comme ça. On est dimanche, Godefroy, il a le sourire. Et ça présume des belles choses. Oh là 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 là, elle est pas contente, Frénégonde. Mais Frénégonde, tu as masse banane. Je m'en fiche. Tu manges tes bananes. Voilà, regarde. Allez, Radhi est déjà en forme. Tu vas, ma cocotte, déjà me faire un petit pipi. Puis tu vas faire les macaronis pour tout le monde. Pour Amédée aussi, ce matin, c'est bonne humeur. Il a envie d'arroser le jardin. On va le laisser faire. Le temps que, voilà, la maison se réveille. Et puis après... Oh ! Mais oui, c'est l'automne, donc c'est arrivé des carottes et des raisins. Oh, trop cool. T'es malade, Lali ? Ah bah ouais, un rhume de cerveau. Ah, parce que t'as un cerveau ? Ah bah alors ? Oh, un niveau 4 de cuisine pour Radhi. Je sais plus à quel niveau ça débloque, là. Vous savez qu'on l'a jamais eu, hein. Nous, on n'a jamais eu les autre chose que les macaronis au fromage avec notre pauvre petite pétronille. La pétronille au beau des temps ! Mais bon, j'avais espoir, peut-être, avec Radhi. Oh, marde ! Il a besoin de parler, le petit, là. Oh, bichon, t'inquiète, maman arrive. Oh, bah mince, les fruits, ça affecte aussi la petite. Bah, reste pas loin du buisson, hein. Tu vois, ma fille, on n'est pas encore prêt à construire un robot. Mais bientôt, en attendant, moi, je me dis, un ballon de basket, ça pourrait faire l'affaire pour me défouler. Mais bon, on sait jamais, quoi, tu vois. Bah, Cunégonde, tu passes ton temps chez nous ou quoi? Allez, les enfants, il est temps de vendre nos productions. Nous sommes dimanche, il est midi, je pense qu'il est temps. Nous allons... je vais vendre tout, hein. Même ce qu'on a dans l'inventaire, parce que le marché, on a le temps de refaire tout ça. Donc, on est à 5 simflouz, ça va aller simple, hein. Alors, 40 simflouz de gagné avec les chevaux, on en a 80. Le lapin, on a 40. Le dragon, on est aussi à 40. On est monté déjà 205 simflouz. Mais le plus important, c'est les jardinières. Nous avons pas moins de 27 jardinières à 70 simflouz. Attention, ça va monter à combien? Oh la vache. 1890 simflouz. On vend tout. Oh là là, oh là là, ça fait du bien d'avoir autant de pognon. Évidemment, faut payer le seigneur et il faut lui reverser 45% de nos gains. Pour les sous-sous, nous avons donc gagné en tout 2090 simflouz, auquel on doit 45% des dettes à notre seigneur, qui équivaut à 940 simflouz. Et ça fait que nous, on garde 1155 simflouz. On paye 940 de nos dettes. Oh là là, je me sens mais riche, vous avez pas idée. Et avant toute chose, on va investir dans la baignoire, mais direct les enfants. Alors même, on va y mettre tout notre pognon, parce que on est dimanche, et la moindre baignoire qu'il nous fera, il est confiant, il va bien, et ben, on pourra la revendre peut-être 1500 chacune. Alors moi là, je suis en extase. Allez mon petit, à m'aider, on a besoin de pognon, je t'en prie. Oh non! Eulali, tu imites ta mère? Tu te pisses dessus? Eh ben, tu coûtes t'essuies, hein. Ah oui, bah t'essuies. Et puis, tu te laveras dans le... comme d'habitude, dans le lavabo, quoi. Et v'là Amédée. Non, pas Amédée. Oh, ça y est, je ne sais plus. Anastase! Oh, Anastase, mon petit chéri. Oh, la première baignoire a été mise dans l'inventaire du foyer. Oh, je suis tristesse. Elle vaut que 755. Mais c'est pas grave. On va la revendre. Allez, on est déjà à la troisième baignoire.
Ça fait mal hein, de voir autant d'argent partir d'un coup. On est redevenu à 24 Simflouz, mais bon, c'est de l'investissement. Il faut ça pour grandir. Hein. On est dimanche, j'en profite. Hein. Bon, ma petite Frénégonde, tu t'en vas de là parce que tu perturbes ton père avec ton odeur et il va pas bien travailler. On a besoin de baignoire à 1500, nous. Et la troisième baignoire est dans le four. On va tout de suite les vendre. Pour les baignoires, elles sont 3 et elles sont à 755 Simflouz. Je pensais que ça allait monter à 1500. C'est pas le cas. En tout cas, c'est pas grave parce que je vais les revendre. On est à 24 Simflouz. On les revend à 2265. Ça nous fait 2289 Simflouz. Nous avons donc gagné en tout 2265 Simflouz auxquels on doit donc retirer encore une fois les 45% du seigneur d'une dette de 1019 Simflouz. Ce qui nous fait quand même dans notre cagnotte 1270 Simflouz. La journée n'est pas finie. Amédée, tu vas m'en refaire une ou deux. Je vais pas en démordre à mon coco. Oh là là, ouais, il a besoin de se faire divertir à fond les ballons. Ah, est-ce que tu peux lui faire une petite grimace? Voilà, ça lui fera du bien. Oh, 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 Frénégonde a grandi. Alors, on va lui mettre la faculté mentale, vu que c'est là qu'elle gérait pas trop, elle avait que un point. Et en premier trait, elle sera 1, 2 et 3. Bah, pas geek, parce que ça colle pas avec le challenge. Et ben, joyeuse, c'est super. Oh là là, le look. Bon, tu mérites un bon petit relooking, ma cocotte. Allez, on laisse Amédée tranquille et travailler, là. Il y a besoin. Il doit nous donner, rapporter un peu d'argent. Ouh, oui, c'est un niveau 10 en bricolage pour Amédée. Oh, GG, ça veut dire les toilettes. Enfin. Oh, c'est mignon. Allez, remonte le moral de ton père, parce que là, il a besoin de rigoler. Voilà, tu vas faire une petite grimace. Voilà, il va. Ça lui remonte le moral, le divertissement, c'est ce qu'il faut. Et après, il retournera faire une baignoire. Allez, mon petit. Après cette dernière baignoire. Oh là, on est à 139 Simflouz. Comme quoi, nos gains montent. On était à 5, après, on était à 24. Maintenant, on est à 139. C'est pas grand chose, mais c'est toujours ça de prix. Hein. Oh, mais c'est vrai qu'il y a un truc, comme vous m'aviez dit, que les endroits là où on pouvait pêcher, on pouvait récupérer de l'eau. Et comme on est en hors réseau, ça nous ferait des factures moins lourdes. Donc je vais envoyer les gamines récupérer de l'eau, quoi. Faut bien que ça serve. Et Fufu qui passe à 22h. Normal, quoi. Bon, c'est un peu le bordel, mais on va tout de suite. 139 Simflouz, nous avons 3 baignoires. Oh, mon Dieu. Ça y est, les baignoires volent 1500. Je savais bien qu'elles valaient 1500, les baignoires. Oh là 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 là, attendez, moi je vais mourir de syncope là, entre la chaleur et le pognon qu'ils vont avoir là, c'est bon quoi, on est enfin sorti d'affaires. Attendez, on a 139 Simflouz, on vend à 3775. Ça nous fait un total de 3914 Simflouz. Mon Dieu, et dire qu'on a commencé la journée à 5 Simflouz, hein, auquel on doit encore soustraire, la part du Seigneur, évidemment. Alors, en tout, nous avons donc gagné la somme de 3775 Simflouz, auquel, bien sûr, nous enlevons les 45% du seigneur qui s'élève à 1698. Donc, il nous reste un montant de 2216 Simflouz. Oh my god! Oh, oh my god! Et les filles ont récupéré de l'eau. Donc, vous allez rentrer à la maison. Voilà à quoi ressemble la petite Frénégonde en tant qu'enfant avec ses beaux yeux bleu gris de sa maman. Et c'est sur cette fin d'épisode que je vous présente le lit de nos petites filles. J'espère qu'elles vont savoir se le partager toutes les deux parce que je l'ai collé au mur. Eh ben non, d'accord, ok. Donc il faut que je ressente le lit. Moi je vous remercie de m'avoir regardé jusqu'ici. On a tellement d'argent que je vais pas savoir quoi en faire. 1500 Simflouz, c'est incroyable, voilà. Et moi je vous retrouve la semaine prochaine pour la suite des aventures de Lord and Lady. Avec autant d'argent, ça devrait aller tout seul. Godfroy va sûrement grandir et peut-être qu'on mettra bébé 4 en route. Des gros bisous à vous, ciao.